It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Bonsoir, bienvenue, et laissez-moi vous donner un petit peu plus d'explications concernant le contexte de cette illustration. En fait, je dessine ce crâne depuis... Oula, il a l'horaire. Je dessine ce crâne vraiment partout. Ça partait en fait d'un ami qui me donnait des stickers vierges, et donc moi, dessinant des crânes régulièrement partout, vu que les stickers étaient rectangulaires, je m'amusais à remplir le stickers totalement. Je vous mets des photos ici, si jamais j'arrive à en trouver. Sinon, tant pis. Enfin bref, ensuite, deuxième anecdote, je suis allé à un événement qui s'appelle le Drink and Draw. Donc c'est tout simplement, on drink et on draw. J'ai eu l'occasion de le faire même plusieurs fois, c'était très très sympathique et convivial. Et donc on nous donnait des sous-box sur lesquels il fallait dessiner. Et moi, j'avais pas envie de me casser le cul à faire une illustration vraiment très très poussée. Donc voilà, j'ai fait un petit crâne ainsi qu'une baleine. Mais pour l'instant, le crâne. J'ai décidé tout simplement de le refaire avec un style un petit peu différent, un peu simplifié. Aussi sur Illustrator, comme ça je pouvais le mettre dans la taille que je voulais, pour pouvoir le sortir dans un petit format sur stickers ou même dans des formats encore plus rikiki, jusqu'à de grands formats pour en faire des posters en A4 ou A3 que je n'ai pas malheureusement actuellement. Et voilà, c'est donc le crâne que je dessine très très régulièrement, qui est pour moi devenu hyper facile à dessiner et que je recopie un petit peu partout quand je vais dans un bar et que j'ai un feutre tout simplement. Bref, trêve de blabla, suite de la vidéo. Bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, ça m'a beaucoup fait plaisir de vous présenter vraiment tout le processus de création. À présent, je me permets de vous dire que les stickers sont disponibles, il y a un petit lien pour le shop dans la description, mais pas que, car les t-shirts sont eux aussi disponibles, et vu que c'est en collaboration avec la raclée, vu que c'est eux qui impriment, j'ai simplement fourni les visuels, il faudra voir avec eux justement pour acheter des t-shirts. Si jamais vous êtes intéressé par les modèles que je porte, on peut éventuellement s'arranger, mais moi, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de stock chez moi. Et bien voilà, c'était Bruno pour vous servir et vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à coller des stickers ou à m'envoyer des photos, des collages si vous les trouvez dans les rues. À présent, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de souscrire à une soirée et de passer un agréable abonnement à la chaîne. Bon appétit.